Si le prince William et Kate Middleton sont aujourd'hui très heureux, les deux tourtereaux sont passés par de sombres périodes. À tel point que le prince de Galles avait pris une décision radicale au sujet de son mariage. Comme dans toutes les familles, chez les Windsor aussi, un mariage peut se finir en séparation. Ce fut le cas pour le roi Charles III et Lady Diana. Mais force est de constater que depuis, les couples de la famille royale paraissent solides. À l'image de celui formé par Kate Middleton et le prince William. Le 29 avril 2011, ils se sont dit oui pour la vie. Une magnifique union, qui a fait entrer la princesse de Galles dans la célèbre famille royale. Si tout paraissait être un conte de fées, le couple aurait rencontré de nombreuses difficultés. En effet, quelques années avant leur mariage, Kate Middleton et le prince William ont connu une grave crise au sein de leur couple et se sont séparés. Le prince William aurait douté de son mariage avec Kate Middleton. La raison ? Nous étions tous deux très jeunes. Nous étions en pleine recherche de nous-mêmes, de nos personnalités. C'était donc une période pour trouver nos propres chemins et grandir, donc juste se donner un peu d'espace, pour le meilleur, dévoilait le prince William aux médias britanniques. Mais voilà que selon l'autrice Cathy Nicole, interrogée nos confrères Mirror, le père de trois enfants aurait eu de gros doutes quant à son mariage avec Kate Middleton. À tel point que le prince de Galles aurait organisé une réunion d'urgence avec la reine Elisabeth II et son père. Ce rendez-vous familial aurait eu lieu en 2006. William était très anxieux et s'est assis avec son père et sa grand-mère pour une discussion franche sur son avenir avec Kate. Ils lui ont tous deux conseillé de ne pas précipiter sa décision, confie la spécialiste. Selon ses dires, la reine Elisabeth II aurait été très déçue d'apprendre que son petit-fils et que Kate Middleton s'étaient séparés un an après cette fameuse réunion. Toutefois, le couple a réussi à rallumer la flamme. Et entre eux, plus rien ne semble affaiblir leur amour. En effet, le 22 juillet 2013, Kate Middleton donne naissance au prince George, futur roi d'Angleterre. Deux ans plus tard, le 2 mai 2015, c'est une petite fille qui voit le jour, la princesse Charlotte. Puis, le 23 avril 2018 à la maternité de l'hôpital Saint-Marie de Londres, le petit prince Louis viendra agrandir la famille.